Yo tout le monde, voilà, petite intro de chaîne YouTube pour dire que je lance ma chaîne YouTube, voilà, de délire, de vlog au Canada pour vous montrer un peu la routine ici. Donc là, je fais vite, hein. Petit vlog, pré-match, demain on joue contre Chicoutimi, le Cougar, à 19h30, là on est jeudi, jeudi après-midi, programme de la journée. Je vais aller chez le physio là dans 30 minutes parce que j'ai mal au genou, enfin j'ai des problèmes de genou. Du coup, il va me faire des aiguilles et tout. J'ai un peu mal aux pieds aussi, donc on va aller chez le physio. Donc voilà, je viens d'arriver chez Interphysio. Il fait super froid. Je me suis habillé comme si on était en été. Je suis gelé. Je suis en avance de 20 minutes comme d'hab. Et voilà. Je vais t'en remettre 4, on change pour une formule gagnante. Saïf, tu veux te présenter pour ma chaîne YouTube ou pas? Ça filme là? Ouais. Saïf, écrit AK47, manager OnlyFans, WLY126 sur Insta. Donc là, on va aller en mixing special team. Fais le vlog, suis-moi. Là, faut poser son téléphone. Moi, je le pose jamais. Donc là, on va filmer Adrien. Adrien de Lumière, un gendarme. Présente-toi en quelques mois. Gendarme de l'équipe. Gendarme. Présente-toi en quelques mois, Adrien. Discret. Discret sur le terrain, en tout cas. Discret. Pas dans l'initiation. Discret, mais pas sur le terrain, les gars. Rapide, efficace. Affluent. Rapide, efficace, en Enzo, Teamo. Mon tout Teamo. Voilà, Enzo, D9, Teamo. Voilà, Enzo, il se définit par un mec qui porte des crocs en 37,5. Voilà. Et il se fait frapper tout le temps la cheville. Il se strappe par-dessus son strap. Il se strappe depuis 2 mois, il se strappe tout le temps. One eternity later. Donc là, je vais vous présenter l'un des mecs les plus gênants de l'équipe, voilà. Pierre Chollet. Voilà. Donc, ah, je suis dans le compte les refs du Canada. Non, là on fait un autre truc, c'est chaîne YouTube. Voilà. Voilà, bravo. Il est content. Non, on va aller voir Tom. Tom a un truc à dire pour ma chaîne YouTube. Ouais, il a ses jeux parce qu'il les connaît. Tom est très chiant. Voilà, c'est un mec, il ne parle pas. Tom est un homme, mais il est gentil. Là, les gars, entraînement fini. Demain, on a un match, du coup. Dès quelle heure, là? Les 20h46. On est passé à la salle après pour se stretcher un peu. Voilà, la salle, première vidéo de la salle. Là, il y a Evan. Voilà. Hop, je vous présente la salle un peu vite fait, salle des gaillards. Je vous refais une vidéo, je vous referai pardon une vidéo mieux. Là, il y a Pierre, voilà, qui fait les petits exos. Yanis, je vous présente Yanis, vous l'avez jamais vu, qui est blessé. Est-ce que tu veux la voir, la cicatrice? On peut vous montrer ce que Yanis s'est fait. La belle blessure. Regardez la cicatrice. C'est pas tout. Triple première fracture fois que à la tu passes jambe, dans ma chaîne YouTube, tu t'es fait quoi toi déjà au premier match? Dis le nom. Triple fracture à la jambe, avec la fracture du péroné, double fracture de la malléole de la cheville. Ils m'ont mis une petite tige en métal, 5 vis, un truc bien propre, bien carré. Voilà. C'est-à-dire les gars, moi si je peux vous donner un conseil dans la vie, prenez soin de vous et profitez de vos jambes. Voilà, c'est voilà. Très important. Donc là il est malheureusement en fauteuil mais va revenir très fort. Dylan, vous l'avez déjà vu. Grosse pratique aujourd'hui, je connais. Yeah, voilà, là, Bobby. Au gym, man. Bobby aussi, grosse pratique aujourd'hui. Bobby Drip, oui. Regardez sa moustache un peu là. Bobby Drip. Voilà, voilà. Sinon, bah voilà quoi. La salle. Luc Barral, donc qui vient jamais à la salle, il est là pour dormir et parler aux meufs. Bah, tu sais que c'est ma chaîne YouTube là que j'ouvre. Hein. Tu veux dire un truc? Salut. Je suis en train de faire du prospect sur des nouveaux joueurs que je peux recruter au Gaïa. Voilà, ce mec est très fort. Voilà, hein. Je vais vous laisser. Je vous montrerai le repas de ce soir. Sinon, voilà la salle. Bam, 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 bam. Oh, ça va. Yo les gars, donc là on est le jour 2, on est vendredi. Vendredi, il fait pas super beau. Vous pouvez voir, vendredi matin, je viens de me réveiller. Je me suis réveillé à 1h, j'ai fait lessive, à manger et tout. Ce soir, c'est le match. J'ai encore super mal aux pieds. Il faut que j'aille retourner voir les physios aujourd'hui pour voir si je vais pouvoir jouer ce soir, mais ça va être compliqué. Et si je joue pas ou même si je joue, je vais continuer à suivre tout le monde. Voilà. Bon, voilà, je vous filme tout ça et à plus. Bon, les gars, game day aujourd'hui.
Petit contretemps, je suis blessé à la luxe, donc le gros orteil du pied droit. Il est gonflé, je sais pas si je pourrais vous montrer, c'est dégueulasse. Il est super gonflé, je sais pas ce que j'ai, une irritation et tout. Impossible de poser le pied par terre, je viens d'aller voir la physio là, elle m'a dit bah tu vas pas pouvoir jouer et tout. Du coup j'ai envie de pleurer. C'est le football les gars. C'est le football, Evan qui joue pas depuis combien de temps? Depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison. Je me suis cassé le péroné. Ouais, tu nous as pas dit toi. Je me suis cassé le péroné, première opposition de l'année, j'ai toujours pas joué. Mais là je reviens du médecin, il m'a dit que normalement la saison prochaine, ça pourrait être bien. Donc j'espère, je prie. Pierre, inversement à nous, le premier match qui revient, parce qu'il était blessé à l'épaule, explique ta blessure. Alors moi je me suis fait une luxation de l'épaule. J'ai sauté pour attraper une poste et Si on peut, je vous mettrai l'extrait avec Jules maintenant. Où il tombe. On vous met l'extrait. On voit que je divague, je me relève et je sens direct qu'il y a un truc qui va pas. Donc on va voir, il y a la menace, c'est un mec de notre équipe, un receveur aussi, c'est un slot back pour me checker, sauf que j'arrive pas à lever mon bras. Et en fait, je sens que ça a fait poc dans mon épaule. Donc je me mets à courir et puis on voit dans l'extrait, je m'effondre sur le terrain de douleur, je tombe dans les bras. Ouais. Et puis là aujourd'hui, c'est le match retour et le comeback. Donc, voilà, j'espère que Sankara qui arrive. Moi j'ai trop le seum, voilà. Sankara receveur 88. Est-ce que quelqu'un peut me. Game day. Yo, c'est du connerre. Voilà. Donc, j'ai trop le seum. Premier match où je ne joue pas. J'ai très très mal aux pieds. C'est horrible. Un match à domicile en plus en blanc. Où je vais devoir regarder de la sideline, c'est horrible. C'est le sentiment de regarder son équipe jouer est horrible. Je vais vous présenter Jules aussi. Jules vient de présenter. Jules, du coup, qui fait les montages des vidéos. Voilà, le refton. Si tout sort, c'est grâce à lui, les gars. On dit tout merci, Jules, même s'il y aura deux commentaires. C'est la machine. La machine. Yo, donc là, on revient du bureau des coachs avec Evan. On va leur parler tranquille et tout. Avec Evan, du coup, comme on est blessés tous les deux, on doit faire le take, filmer le match. On a le seum. Mais bon, c'est pour l'équipe. C'est pour l'équipe. On va être tout en haut. On va être tout en haut et on va voir le game en haut. Tu vois, on va vlogger. Là, on a commandé à manger. Du coup, on a le moral à zéro comme on joue pas. Mais je me suis rasé les jambes. Ouais. Donc tout va bien. Et voilà, voilà. Bon, les gars, on vient de filmer. Ah ouais. On vient de checker tous les gars de l'équipe. Evan, montre-toi, le drip un peu. Cagoule, maillot. Moi, incognito, full black, cagoule. Ça va être d'une violence horrible. Le terrain est là-bas. Chicoutimi est en train de. Ça va être horrible. Chicoutimi est en train de s'échauffer. Donc nous, on va filmer. Donc on va être tout en haut. Donc on va tout voir. Les actions de haut. Ça va être horrible pour eux. Voilà. Mec. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I'm gonna stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never run out, never hate us out. I'll be starting now, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can never doubt, know what I'm about. I just spit a pile, it be raining now. I keep making sound, go another round. Cause I'm looking down, can't stop me now. Que j'ai retenu dans ma tête, Matteo Sankara qui return, on dirait un éclair quand il joue. On va baiser tout le monde. 1 hour later. Donc les gars, on se retrouve après le game, une heure après le game à peu près. Donc là on rentre à la résidence. Petite interview en off de Pierre Cholet. Donc Pierre Cholet qui revient de blessure, luxation à l'épaule, il a raté 4 games. Et il revient aujourd'hui avec 4 TD. Les gars, c'est une grosse performance. Donc numéro 10, j'ai filmé vite fait des gradins. Pierre, comment ça a été de reprendre après 4 games comme ça là? Bah c'était incroyable, gros match. Je suis content parce que un gros match, ouais. J'avais dit au moins un TD et essayer de pas me blesser. Voilà, j'ai prié et l'important c'est que je sois pas blessé, mais que l'équipe ait gagné. Il revient direct titulaire, franchement pas mal. Tout va bien. Pas mal. On a eu du mal à se mettre dans le match au début. Ouais, un peu, au début, ouais, on a eu beaucoup de mal. Même si grosse game au premier début. Premier drive très compliqué, on marque pas et Chicoute nous met un TD.
Mais on s'est vite repris et puis après on a déroulé, on a un petit diesel, on met du temps à démarrer mais bon on a fini et puis ouais. Non c'était grosse 50-3 je crois. 50-8. À 8 ouais. Ouais il aimait bien te lancer la balle, oui là il t'a lancé des bonnes balles. Je suis content. Tu te démarquais aussi pas mal. De tes DB, tu t'es pas mal débarqué, tu le mettais un peu dans le vent et tout, non c'est gros game. On revient, on a un bon set de receveurs, bon set de DB, c'était puissant. Même en défense, c'était très fort. La receveur team 1. Léonard devait jouer, il était team 1 et tout. Et non, pas team 1. J'étais sur punt, mais j'étais pas team 1 en défense. Très bien. Et avec Evan, malheureusement, on est blessé. Mais on va revenir, on essaye. Et sinon, les receveurs, bon ce soir, très bon receveur. Grosse course de bonne foi. Franchement, une équipe très solide. On se retrouve. Bon, là, il est 9h du matin. J'attends Panis parce que là, on va aller entraîner les petits, les secondaires. Parce qu'ils ont un match sur le terrain des gaillards. Okay. Bon, mon pied ça va pas mieux, ça empire même. Donc j'attends de voir mardi la physio, mais c'est bizarre. Voilà, je vous filme sur le terrain un peu. Je vais vous filmer. Là il y a 14-7 pour nos ennemis. Avec Fanny, on n'est pas les bons coachs. Ça a rien. On coach mal. Non, ouais, c'est bien là. Des petits conseils au DP, Antoine Fortin, le deuxième coach, il est là, il n'est pas là. Je sais pas où il est. Où est-il? Antoine, si tu regardes cette vidéo, tu m'as laissé tout seul. Là, ça joue là. Bon, yo les gars, fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Principe, on va essayer de faire une vidéo par semaine avec Jules, qui est là, qui est en train de monter la vidéo. Pierre qui travaille. Une vidéo par semaine qu'on va poster le dimanche. Puis voilà, j'espère que vous avez kiffé. Lâchez un petit like, même si je vais avoir 2 abonnés, mais c'est pas grave, allez, peace.